De retour pour vous présenter une troisième vidéo sur ce niveau le Gange où j'ai déjà récupéré les deux premiers secrets et tué les premiers ennemis. On a déjà vu ça dans la vidéo initiale où je vous présentais le parcours le long des rives du Gange, celui qui mène vers tous les secrets. Et là, on va tenter de poursuivre ce parcours. Je le reprends à zéro et je vais vous amener jusqu'au bout, mais en passant par les deux chemins, car je vous l'ai dit, il y a un moyen de le faire. Donc reprenons notre cher quad tout de suite. Et vous le voyez, je me retrouve à l'endroit où les chemins se séparent. On va d'abord ramasser le cristal bleu. J'ai déjà tué les petits singes ici. Et on va descendre du quad de toute manière. Alors pour ramasser le cristal, mais aussi pour aller tuer un singe. On va essayer du moins. Il se trouve sur l'autre rive. Je ne peux pas sauter ici, mais je vais essayer de le tuer à distance. Ce sera nécessaire si on veut récupérer la trousse de soins, sinon je crois qu'on ne l'aura pas. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que nous ne pourrons pas la ramasser. Là, je vous montre le parcours pour avoir tous les kills et tous les objets possibles. Oui, je crois que c'est le singe que nous n'aurions pas eu, c'est ça, ce sont les kills. Parce que je me fie à la solution de Stella sur internet qui nous explique comment avoir tous les secrets, tous les kills et tous les objets de ce niveau. Voilà, donc on va poursuivre. Je vais simplement rattraper un petit oubli sur le niveau initial du Gange que je vous présentais dans ce parcours avec tous les secrets. Je crois avoir négligé un objet. Et ce sont des munitions, enfin des harpons que je n'ai pas ramassés, je crois. On va s'en assurer. Dans le secret que voici. À l'entrée, je ne les ai pas vus car j'avais un peu de soleil dans les yeux, je l'avoue. Et je ne voyais pas bien les objets que je ramassais. Ça m'apprendra à faire des vidéos dans ces conditions. Non, ils ne sont pas là, les harpons. Ils sont un tout petit peu plus loin, d'ailleurs. Et on ne les voit pas très bien. Ils sont là. Voilà, les harpons, d'ailleurs, souvent, on peut passer à côté à cause de la difficulté qu'on a à les discerner dans le décor. Je vous propose de faire une ellipse, c'est-à-dire qu'on va avancer dans le temps et nous retrouver à l'endroit où les chemins se rejoignent. Nous voici arrivés donc à cette zone où les chemins se rejoignent. Je vais d'abord éliminer quelques singes. Ramasser un cristal de sauvegarde ici. Et à présent, tenter le grand saut. Alors, sauvegarde nécessaire évidemment ici, parce que sinon, ça va être très compliqué. Je vais utiliser un cristal de sauvegarde, tant pis pour la partie précédente d'ailleurs. Hop, on utilisera cette sauvegarde-là pour continuer le jeu avec tous les objets, puisque je ne vais pas me fatiguer pour rien quand même. Voilà. Alors ce saut, c'est une horreur. Je le répète encore une fois. Je ne suis pas sûr d'y arriver du premier coup. Non, c'était pas du tout ça d'ailleurs. J'ai rêvé où les poissons étaient en train de voler. Je reprends cette vie. C'est extraordinaire. Ouais, je vous avoue que ce saut, je ne l'aime pas trop. Il faut toujours plusieurs tentatives pour y arriver. Je ne vous les ai pas toutes montrées, évidemment. J'en ai fait 5, je crois, avant d'y arriver. 5 ou 6. Voilà. Mais le plus difficile, c'est le saut du retour. Et on n'y est pas encore. Pour réussir ce saut, sautez bien tout droit vers ses racines. Il faut être bien en face. Si vous êtes légèrement en biais, vous pouvez le rater. Et là, vous pourrez obtenir enfin les harpons et les munitions Yuzi. Bon, on n'en a pas fini, il faut revenir. Maintenant, on va pouvoir atteindre l'autre rive, par là. Vous vous souvenez, le saut est là aussi assez délicat. Saut en longueur, on le prolonge en laissant la touche enfoncée. Voilà, et Lara ne tombe pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle fait mine de tomber. Voilà. Bon, nous n'avons pas le quad ici, donc il va falloir se débrouiller. Donc je reviens vers la zone où se trouvent les singes, qui ne vont pas tarder à m'attaquer d'ailleurs. En voilà un.
et je vais faire ma récolte d'objets directement ici. On va ouvrir les portails, ramasser tout ce qui peut se ramasser. Et nous serons donc gâtés pour continuer le jeu. Je crois que je peux d'ailleurs interrompre la vidéo puisque tout ça vous le connaissez déjà. Nous l'avons déjà fait lors de la vidéo consacrée aux ruines. Je parle du Gange, hein, la vidéo du Gange, mais par le chemin des ruines. Voilà, c'est le chemin du retour maintenant, le moment quasi impossible, mais on peut y arriver. Donc, deuxième sauvegarde, et dernière hein, en l'occurrence, j'écrase la partie et je tente. Et j'ai intérêt à réussir, puisque j'ai écrasé ma précédente sauvegarde de toute manière, hein, j'ai intérêt à réussir. Puisqu'ici, il n'y a pas de slot sur PlayStation pour parvenir à sortir sans encombre de ce parcours. Alors, mettons Lara. D'abord, il faut l'aligner, je sais. Hein, voilà, il faut l'aligner. Qu'elle soit bien droite. Et là, on va tenter de doubler le coin, hein, ce qui est très difficile. Non, c'est pas possible. Et voilà! Oh oh. Non, pardon, ça fait du bien, c'est tout. Ça fait du bien de se dire que on peut y arriver sans trop de difficultés. On n'a pas recommencé plusieurs fois du tout, hein. Non, 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 il n'a pas fallu 20 essais pour y arriver. Non, non, non. Bon, c'est la vérité, j'en ai eu beaucoup d'essais, évidemment. Hein. Voilà, des vautours vont tenter... Oh, non. Bon, on recommence. Ah bah deuxième fois, puisque les vautours ont eu raison de moi. Oui, là c'est le truc à pas faire, de se laisser tuer par les vautours lorsque vous avez réussi ce saut, parce qu'il faut refaire. Donc là maintenant je crois que je tiens à la technique. Hein. Oui, mais je tiens vraiment pas à la vie là. Hein. Je ne tiens vraiment pas à la vie pour faire ça, c'est pas possible. Hein. Trois vautours en plus ici vous attaquent. Il y en a combien de ces volatiles? Ah, bon sang! Remettez-les en cage, je ne sais pas moi. Enfin, les vautours, en général, on ne les met pas trop en cage. Je descends ici, voilà, je me retrouve dans le chemin que vous connaissez pour avoir le dernier secret avec les objets cachés ici. Et donc, nous terminerons ce niveau avec l'ensemble des objets et normalement des kills. Je ferai une vérification tout à l'heure lorsque je serai aux statistiques pour découvrir si vraiment j'ai raté un kill, une victime en gros pour parler français. Le secret, nous y arrivons quand même, allez. Musique du secret. Ah, c'est un bonheur. Et les objets du secret, hein, des harpons, des cartouches et un cristal. Voilà, je ne sais pas si j'avais fait remarquer la présence de harpons à la base ici, mais c'est fait. Et on se laisse tomber dans l'eau enfin pour quitter ce niveau, que l'on peut aimer si on décide de ne pas obtenir tous les objets et tous les kills, et qu'on déteste lorsqu'on veut vraiment faire cette tentative à chaque fois. Je ne pensais pas y arriver sur PlayStation. Mais finalement, c'est faisable aussi. Hein. Bah, y a pas de raison de toute façon, puisque ça marche sur les deux versions. Elles sont construites exactement de la même manière. Seuls les cristaux diffèrent. Eh bien écoutez, c'est la fin du niveau. Et je suis heureux d'y être arrivé. Les statistiques, évidemment, c'est important. Puisqu'on voulait vérifier tout ça. Alors je vois ici 37 victimes.
Je vais regarder sur le site tombraiders.net s'il y en a bien 37. Je ne vois pas le chiffre encore. Il apparaît 37. Il y a au total 30 objets, plus 2 clés, hein, précisons-le, et plus aussi 7 cristaux. Et voilà, donc on y est. On a été bon quand même. Hein. Je vais sauvegarder cette partie-là, comme ça j'aurai pas mal d'objets pour moi lors du niveau des grottes de Kalia. Et je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos, j'ai raccourci celle-ci, mais sans utiliser de trousse de soins, vous avez vu, les statistiques le prouvent. Donc on se retrouve très vite pour un labyrinthe vraiment agaçant. Salut, salut.